Alors, shalom, bienvenue dans le Seigneur. Modibo Abdoulaye depuis le Cameroun. Je sais que vous êtes nombreux à être présents et à nous joindre, n'est-ce pas? Voilà, et à être scotché. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Voilà, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour un autre sujet. Un autre sujet parce que c'est un sujet également que nous entendons les musulmans nous poser comme question. Voilà. Pour nier la divinité de Jésus-Christ. Nous savons que la divinité de Jésus-Christ a été niée plusieurs fois par les sceptiques, ceux-là qui n'aiment pas les Écritures, ceux-là qui n'aiment pas la parole de Dieu. Je pense que et j'espère que ceux-ci-là auront l'opportunité aujourd'hui de suivre et d'être enseignés. Et aussi, surtout les chrétiens qui ne savaient pas vraiment comment répondre à cette question. Est-ce que Dieu peut-il devenir un homme? Si Dieu ne peut pas devenir un homme ou encore n'est pas un homme, alors Jésus-Christ n'est pas Dieu puisque Jésus-Christ est un homme. Voilà donc la préoccupation d'aujourd'hui. Comme vous le savez très bien, j'aimerais bien que vous me rassurez si vous êtes connectés, les personnes qui sont connectées, et rassurez-moi du retour du son, si le son est bon, si vous m'écoutez. Parce que je ne peux pas faire un retour, sinon je ne peux pas avoir un retour. Donc je veux que vous me rassurez que le son est bon, que vous me dites que oui, on t'écoute, Modibo Abdoulaye. Donc rassurez-moi, s'il vous plaît. Rassurez-moi que le son est bon. S'il vous plaît, permettez, dites-le moi si le son est bon. Si le son est bon. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que il y a un problème? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a un retour? En tout cas, dites-moi s'il y a un retour. Dites-moi s'il y a un retour. Est-ce que le son est bon? Vous qui êtes connecté, dites-moi, est-ce que le son est bon? Le son est-il bon, mesdames et messieurs? En tout cas, ici, entre-temps, il fait chaud ici. Il fait chaud ici. Et comme il fait chaud ici, permettez-moi, mesdames et messieurs, de temps en temps, de déranger vos oreilles avec des petits coupés de gorgées d'eau. D'eau fraîche, parce que ce n'est pas toujours évident. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez? Pour ne pas que nous puissions perdre le temps comme hier, s'il vous plaît. Rassurez-moi simplement que le son est bon. Dites-moi que oui, on t'écoute, Modibo. Parle. Alors, aujourd'hui, en fouillant les commentaires, les remarques, j'ai eu une remarque qui m'a beaucoup marqué, la remarque de Jean, je ne sais pas quel Jean de quelque chose. En tout cas, c'était une critique. Toute critique est la bienvenue, mais les critiques constructives seront la bienvenue. Alors, il me reprochait du fait que pourquoi est-ce que quand je rigole trop dans mes vidéos, pourquoi je rigole trop? Faut prendre ton travail au sérieux. Pourquoi tu rigoles? Mais bon, en tout cas, vous savez, il faudrait que vous lisiez les textes coraniques, les textes de l'islam pour que on voit comment vous pourriez vous retenir de rire. Parce que quand vous lisez les textes coraniques, les textes de l'islam, vous comprenez, vous vous dites si vraiment la personne qui a pu écrire cela a même un niveau de certificat. C'est-à-dire qu'un niveau de CPE. N'est-ce pas? Parce que tellement les contradictions y sont, tellement des histoires ambiguës, aberrantes, des histoires à dormir debout. On se demande si, voilà, si la personne même se rendait compte, si ça allait vraiment très bien dans l'esprit de la personne. Ok, Tindo Bertrand, on t'écoute très bien. Gloire à Jésus-Christ. Merci mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Donc, la préoccupation d'aujourd'hui, donc, qu'on aimerait un peu traiter, c'est de savoir, est-ce que Dieu peut devenir un homme? Est-ce que Dieu, parce que, en fait, vous comprenez la préoccupation, comprenez très bien le point qui est ici. C'est que si on ne peut pas voir Dieu, si Dieu est invisible, si Dieu n'est pas un homme, et que Jésus-Christ est invisible, et Jésus-Christ est un homme, alors, naturellement, la conclusion logique, c'est que Jésus ne peut pas être Dieu. Voilà. Ceux-là qui sont contre la divinité de Jésus-Christ ont pu lever comme objection
Premièrement, parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas été assez patients pour étudier les Écritures afin de comprendre ce que la Bible dit. Le monothéisme biblique, c'est quoi? Voilà, le monothéisme biblique, comme vous le savez, nous avons traité cela au niveau de la Trinité, le sujet de la Trinité. Allez comprendre cela. Le monothéisme biblique n'a rien à voir avec le monothéisme islamique. Le monothéisme islamique dit qu'en Dieu qui soit Allah qui semblerait être ce Dieu unique, il y a une seule personne, monopersonne, en ce Dieu-là. En fait, tout comme il y a un seul être humain, un seul, en fait, tout comme tout homme qui existe. Donc, ça, c'est le monothéisme islamique qui n'a jamais existé dans la Bible. Dans la Bible, le Dieu de la Bible nous est décrit comme étant un seul Dieu unique au nom de Yahweh ou encore Yehovah, dépendant de votre vocalisation. Mais en ce Dieu unique qui est l'être Dieu, Yahweh, qui est unique, il y en a trois personnes qui partagent pleinement la nature divine. Nommément le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, lorsque vous ne comprenez pas cela, lorsque vous avez une mauvaise image du monothéisme biblique, alors vous aurez vraiment des sérieux problèmes avec les passages de la Bible. Chaque chrétien croit à un seul Dieu qui serait unique, qui est unique. D'ailleurs, il y en a un nombre vraiment incontable des passages des Écritures qui nous enseignent que Dieu est unique. Mais en ce Dieu unique, il y en a trois personnes distinctes. Comprenez très bien cela. Si vous n'avez pas compris la doctrine de la Trinité, je vous réexplique cela dans une vidéo que vous avez, en tout cas en deux séries, je vous réexplique cela, n'est-ce pas, de manière vraiment un abécédaire, ABC, terre à terre, sans utiliser les termes théologiques, les termes compliqués, utilisant les termes assez compréhensibles pour que la personne qui est étrangère à la Bible puisse comprendre ce que la Bible enseigne véritablement de Dieu. Donc, il ne faudrait pas qu'on nous trompe, que l'islam vienne vous tromper en disant que non, Allahu Ahad, Dieu est unique, Dieu est unique, hein? Dieu est unique, vous les chrétiens, vous adorez trois dieux, vous les chrétiens, vous adorez trois dieux. C'est faux. Aucun chrétien n'adore trois dieux, nous adorons un seul Dieu qui serait unique. Mais en ce Dieu unique, il y en a trois distinctes personnes qui partagent la même nature, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Distinctes vraiment, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, ces trois personnes se sont révélées ainsi. Quand c'est le monothéisme biblique, l'islam est venu avec l'innovation. Vous savez, dans la vie même, en fait, souvent dans la vie même, quand on parle, il y a des choses qui sont singulières, mais qui à l'intérieur sont constituées de plus d'une chose. Vous savez, quand on parle de la famille, par exemple, la famille n'est pas que papa. Dans la famille, oh, on dit de la famille, mais en tout cas, à l'intérieur, il y en a plus d'une personne qui serait famille. N'est-ce pas? Qui constitue la famille? Nous avons la papa, maman, les enfants. Souvent même, il y a même les cousins à l'intérieur. Vous savez, il y en a plusieurs choses comme ça qui, au vu, qui sembleraient être uniques, mais à l'intérieur, quand nous voyons, nous avons plus d'une personne à l'intérieur. Et ça, c'est biblique. Le Dieu de la Bible est présenté comme étant unique, un seul. Il y a un seul vrai Dieu, mais en ce Dieu, il y en a trois personnes distinctes. Trois personnes distinctes. Pas que c'est la même personne qui a pris des formes différentes, des temps différents. Non. En ce Dieu unique, il y en a trois personnes distinctes qui existent et qui ont toujours existé éternellement. Donc, beaucoup pensent que Jésus-Christ a commencé à exister lorsqu'il est venu par Marie. C'est faux. Voilà pourquoi ceux-là qui continuent à croire que Jésus-Christ, Marie est la mère de Dieu font beaucoup d'erreurs. Donc, ceux-là qui pensent que Marie est Théotokos, c'est-à-dire la mère de Dieu, font beaucoup d'erreurs parce qu'on ne peut pas être mère de quelqu'un qui nous a créés. Vous voyez un peu, c'est aberrant. Parce que l'idée même d'être Dieu veut dire qu'on n'a pas de commencement. Et donc, l'idée de dire qu'on a mère, c'est enfanter. C'est-à-dire que ça veut dire que la mère a un début. À un début. Et donc, il y en a beaucoup d'erreurs de logique dans l'idée de penser que Marie est la mère de Dieu. Bon, là n'est pas le sujet. Revenons sur le passage. Je vais vous partager le passage dont les critiques de la Bible se servent, n'est-ce pas, pour dire que, voilà, Jésus ne peut pas être Dieu parce que Dieu n'est pas un homme. Et si vous n'êtes pas étudié, vous n'avez pas étudié la Bible et que vous rencontrez ce passage, vous n'êtes pas patient pour étudier la Bible, vous pourrez croire effectivement que ces critiques, les cinq critiques dans les critiques pourraient avoir raison. Dans le thème critique ici, je fais appel aux musulmans, je fais appel aux témoins de Jéhovah, je fais appel à tout cela qui renie la divinité de Jésus-Christ. Je suis en train de boire de l'eau. Alors, dans le livre de Nombre, chapitre 23, si vous êtes étudiant de la Bible, je vous encourage d'ouvrir vos Bibles. Nombre, chapitre 23, le verset 19.
Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Nombre chapitre 23, verset 19. Nous allons lire, je pense qu'aujourd'hui, exclusivement la Bible. C'est-à-dire que c'est un sujet biblique. Nous aimerons éclairer les chrétiens. Et non seulement les chrétiens, mais surtout les musulmans qui ont des problèmes avec ces genres de passages. Nous voulons vous expliquer les Écritures. Parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Nous connaissons les Écritures. Nous voulons vous expliquer par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Nombre chapitre 23, verset 19. Certainement, certains ont entendu les musulmans vous leur dire cela. Nombre chapitre 19, Nombre 23, le verset 19. Nombre 23, verset 19. Je partage ma Bible avec vous. Mais sinon, si vous avez le passage de la Bible, vous pouvez mettre ça en commentaire. Mettez, partagez le texte en commentaire. De peur que la connexion ne nous joue un tour. Parce que quand je veux partager, ça fait comme si ça ne veut pas partir. Nombre chapitre 23, je répète le passage. Nombre 23, nous allons lire dans le prétexte des musulmans, ou encore des anti-trinitariens, le prétexte qu'ils prennent pour renier la divinité de Jésus-Christ. Donc, Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23, le verset 19. En tout cas, vous savez pourquoi en fait, pourquoi la Bible? Pourquoi est-ce que nous prenons ce texte? Vous avez bien vu l'écran. Si vous voyez votre écran, on demande que dit les textes, que dit la Bible hébraïque. C'est-à-dire que nous allons voir, n'est-ce pas, dans toutes les Écritures, dans l'Ancien Testament, quand on parle de la Bible hébraïque, je parle du Tanakh, c'est-à-dire que l'Ancien Testament que vous avez aujourd'hui sur vos mains, les Juifs. Puisque l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, donc c'est voilà pourquoi je parle de la Bible hébraïque, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, les Juifs là, dans les Bibles, dans les livres là, les Bibles là, qui représentent l'Ancien Testament que nous avons aujourd'hui. Donc qu'est-ce que l'Ancien Testament dit? Qu'est-ce que l'Ancien Testament dit? Est-ce que l'Ancien Testament nous encourage à croire que Dieu ne peut pas et n'est pas un homme? Ça c'est la question. Alors, Nombre chapitre 19, Nombre chapitre 23, verset 19. Je partage le texte avec vous et je sais que vous êtes en train de voir le texte. Nombre chapitre 19, chapitre 23, le verset 19. Qu'est-ce qui se passe avec 19 dans ma bouche? Nombre chapitre 23, le verset 19. Je relis le passage. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voilà la question. Voici le texte qui est mis qui est mis en guise de, disons-le, en guise d'introduction. Et donc, les détracteurs de la Bible vont vous dire que, regardez mon frère, la Bible a dit explicitement que Dieu n'est pas un homme. Vous adorez une créature, vous les chrétiens. Et surtout les musulmans, ils vont vous dire, et vous savez exactement que vos écritures disent que Dieu n'est pas un homme. Et pourtant, vous continuez à adorer Jésus. Donc, Dieu n'est pas un homme. Regardez le texte. J'aimerais que vous observez le texte. Vous êtes des étudiants des écritures. Vous êtes sérieux. Alors, observez le texte. Le texte dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alors, à partir de ce texte, ils disent que non, Dieu n'est pas un homme. Qu'est-ce que vous pensez de ce texte, mesdames et messieurs? Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte que je partage avec vous, qui sert de prétexte, c'est 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 15, 1 Samuel, j'espère que vous prenez note, le chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15, le verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour se repentir.
Donc, nous avons une vérité qui dégage de ce passage, c'est que Dieu n'est pas un homme. Nous avons un autre texte qui vient complémentariser ça, complémenter ça, pardon. Le livre d'Osée, que j'aimerais lire pour vous. Le chapitre 11, le verset. Le chapitre 11, disons à partir du verset 11, à partir du verset 1. J'espère que vous lisez cela, j'espère que vous voyez. Et en passant, si vous savez que nous sommes en période de chaleur ici, comme je vous le dis d'habitude. Donc, si on coupe la lumière, c'est qu'on a coupé la lumière. Vous le savez très bien parce que c'est pas. C'est sur un ordinateur de bureau que nous travaillons. Au niveau du bureau ici, c'est un ordinateur de bureau. Donc, vous allez souffrir avec nous tous. Alors, quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec les liens, avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug auprès de leur bouche. Et je leur présentais de la nourriture. Jusqu'ici, tout est clair. On continue notre lecture. Verset 5. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte. Mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien, à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers les très hauts, vers le, on les, pardon, on les rappelle vers le très haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Verset 8. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Théboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Verset 9. Je n'agirai pas selon mon ardent colère. Je n'agirai pas selon mon ardent colère. Je monte, verset 9. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Vous voyez un peu ça? Je suis le saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec ma colère, avec colère. Donc, voilà les trois passages nommés. Nous sommes dans Nombre chapitre 23, verset 19. 1 Samuel chapitre 15 verset 29 et finalement Ésaïe, pardon, Osée le chapitre 11 le verset 1 à 9. Ces passages stipulent clairement que Yahweh n'est pas un homme. Et donc nous avons donc les détracteurs de la foi qui disent effectivement que mon type, vous voyez, votre Dieu est un homme. Votre Dieu, voilà, vous adorez un homme, vous adorez un homme. Donc, oh, vous êtes anti, vous marchez contre la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu, la Torah, l'Ancien Testament, le Tanakh nous dit clairement que Dieu n'est pas un homme. Ok. Comment est-ce que vous pourrez reprendre cela? Comment comprendre ce passage? Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais d'abord vous faire remarquer quelque chose. Si vous avez remarqué très bien, ce passage ne dit pas que Dieu ne peut pas être un homme. Un. Ou que Dieu ne va pas être un homme. Deux. Mais ce passage nous dit plutôt que Dieu n'est pas un homme. En tout cas, je vous encourage même de voir le contexte. Aujourd'hui, j'aimerais même répondre avec l'idée, avec le contexte général du Tanakh. Qu'est-ce que le Tanakh nous dit de cela? Donc vous comprenez que l'erreur que les personnes font déjà en vous accusant, en nous accusant, en disant que oh, vous adorez Jésus-Christ, pourtant Jésus-Christ est un homme. Oh, Dieu dit qu'il n'est pas un homme, il ne peut pas être un homme.
Donc vous voyez qu'il y a déjà une ruse dans la question. Il dit que Dieu ne peut pas être un homme. Or, le passage ne dit pas, tous ces trois passages que nous avons lus ne disent pas que Dieu ne peut pas être un homme, mais plutôt Dieu n'est pas un homme. Vous voyez que le passage parle plutôt de la nature de Dieu, de manière, dans l'essence de Dieu, naturellement, Dieu n'est pas un homme parce que Dieu est divin. L'essence de Dieu n'est pas humaine. Dieu est divin. C'est lui, Dieu, il est le créateur, c'est lui, Yahweh. C'est de ça que parle ce passage. Le passage ne dit pas que Dieu ne peut pas être un homme. Ou encore, Dieu ne pourra jamais prendre une forme humaine. Ce passage n'a jamais dit cela. Et donc, si ce passage n'a jamais dit cela, et que les personnes commencent à utiliser ce passage pour accuser, nous comprenons très bien naturellement de quel esprit ces personnes sont motivées. Premièrement, ils ne respectent pas les Écritures. Deuxièmement, ils ne sont pas des étudiants assidus des Écritures. Parce que pour faire un travail d'exégèse sérieux, il faut lire entre les lignes, il faut lire, il faut dire ce que le texte dit. Il ne faut pas dire ce que le texte n'a jamais voulu dire. Amen, amen, amen. Voilà. Donc Dieu n'a... Le texte ne dit pas que Dieu ne va... Je répète cela. Nombre chapitre 23, le verset 19. 1 Samuel chapitre 15, le verset 29. Osée chapitre 11, verset 1 à 9. Ces passages ne disent, mais alors, jamais n'ont jamais dit que Dieu ne peut jamais être un homme. Ou que Dieu ne va jamais être un homme, ou Dieu ne va jamais apparaître sous forme humaine, ou que Dieu ne va jamais devenir un homme un jour, s'il le veut. Non, ce passage ne dit pas cela. Mais ce passage traite plutôt le problème de la nature de Dieu, l'essence de Dieu. La matière avec laquelle Dieu est fait. D'où est la nature d'essence de Dieu? L'essence de Dieu, c'est qu'il n'est pas humain. Il est divin. Voilà pourquoi il ne pourra jamais mentir. Car d'ailleurs, quand bien même qu'il pourra prendre une forme humaine demain, il ne va jamais être ce genre d'homme que vous êtes, de ce type, parce que vous, vous mentez, lui, il ne ment jamais. Comprenez un peu le contexte. En tout cas, nous allons donc examiner dans le contexte de l'Ancien Testament même. Parce que naturellement, si le texte voulait vraiment dire que Dieu ne va jamais devenir un homme ou qu'on ne peut jamais devenir un homme, naturellement, on peut le voir dans l'Ancien Testament. On ne va jamais voir dans l'Ancien Testament un seul cas où Dieu est devenu un homme. Amen. Voilà, c'est simplement ce travail d'examination que nous allons faire. Nous allons voir si effectivement Dieu, dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque, un jour est devenu un Dieu, est devenu un homme, ou encore est apparu en forme humaine. Les étudiants de la Bible savent très bien que cela s'est passé. Pas seulement un seul cas, dans plus d'un cas. Amen, 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 amen. J'espère que vous comprenez quelque chose. Alors, le premier texte que j'aimerais partager avec vous, j'aimerais d'abord vous montrer comment l'Ancien Testament nous montre que Dieu peut prendre une forme physique. C'est-à-dire que peut apparaître, peut prendre une forme physique pour parler à, disons-le, à ses enfants. Dieu peut prendre une forme de la matière, même si ce n'est pas humain d'abord. Mais Dieu peut prendre une forme matière pour parler à certaines personnes qu'il aurait choisi de parler. Vous ne me croyez pas, vous avez raison. Vous ne devez pas me croire à moins que je vous le prouve. Parce que lorsque je vous prouve cela à partir des Écritures, finalement vous êtes convaincus, c'est normal. Et la Bible recommande de le faire. La Bible demande d'examiner toutes choses. En tout cas, comme les Juifs de Bérée ont fait avec Paul. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Combien de chrétiens peuvent encore examiner? Combien de musulmans examinent lorsqu'on les parle des Écritures de Jésus-Christ? Lorsque vos imams vous enseignent, est-ce que vous les demandez les références? Ou bien vous les dites seulement « Amen », comme ce qui va se passer demain à la mosquée? Il va raconter, mais je vous demande de prendre la possibilité de lever la main et de dire « S'il vous plaît, monsieur imam, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que c'est écrit ce que vous avez dit cela ?»
même pas, il va même pas se rappeler du passage parce que dans sa tête, il n'a jamais eu l'idée un jour que quelqu'un va lui poser la question, c'est écrit où? Voilà comment on entretient la bêtise. En empêchant les gens à poser les questions et en ne fournissant pas des références aux personnes. Mais la Bible nous encourage au contraire. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Ce que la Bible nous enseigne. Alors, Nombre chapitre 12. Mesdames et messieurs, je vous encourage d'ouvrir Nombre chapitre 12. Nombre, le chapitre 12. Le livre de Nombre. Le même livre de Nombre. Le même livre de Nombre, le chapitre 12. Ça dit que quelques chapitres juste, quelques chapitres avant. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Dites-moi que vous êtes à la page. Le verset 5 jusqu'au verset 8. Je suis ici. Nombre chapitre 12, verset 5 jusqu'au verset 8. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et il se tint à l'entrée de la tente. Qui se tint à l'entrée de la tente? L'Éternel, Yahweh. Yahweh se tint où? À l'entrée de la tente. Sous quelle forme? Forme de nuée. Vous voyez un peu ça? Le même livre de Nombre nous encourage à croire que, ok, d'accord. L'Éternel, Yahweh, n'est pas un homme d'accord. Mais Yahweh peut devenir, peut apparaître sous forme d'une nuée. Sous forme d'une, voilà, d'une matière, s'il le veut, parce qu'il a choisi de le faire, il va le faire. Alors, il appela Aaron, qui appela Aaron? L'Éternel Yahweh appela Aaron de la nuée, il appela Aaron. Et Marie, qui s'avancèrent tous deux, tous les deux, et il dit le verset 6. Écoutez bien mes paroles. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, moi, Yahweh, je me révélerai à lui. C'est dans un sens que je lui parlerai. Verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Verset 8. Je lui parle comment? Bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, sans image. Et il voit une représentation de qui? De l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Contre Moïse. Vous voyez comment l'Éternel, premièrement, au début, il parle à Marie et à Aaron. De la nuée, donc nous avons l'Éternel qui choisit prendre une forme, pas cette fois-ci humaine, mais une forme d'objet, une forme de nuée, parce qu'il a choisi de le faire. Il est capable de le faire. Mais maintenant, plus bas, nous avons l'Éternel qui dit que lui parle à Moïse visiblement. Ah! Pas par énigme, pas de représentation, pas d'image. Il ne va pas voir, il représente. Moïse, c'est directement. Il voit une représentation directe de Yahweh. Ce n'est pas d'énigme, il n'y a pas de. Ce n'est pas passage. Pour Moïse, là, c'est direct. Amen. Le même livre de Nombre, vous comprenez un peu ça? C'est-à-dire que si Nombre, chapitre 23, verset 19, disait que. Est en train de dire que non, 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 non. Yahweh ne peut jamais devenir un homme. Ça veut dire que ce passage a un problème. Or, comme nous l'avons vu, le passage ne dit pas que Yahweh ne peut jamais devenir un homme s'il le veut, ou encore que Yahweh ne va jamais prendre une forme humaine pour parler aux hommes s'il le veut. Ce passage n'a rien à faire avec cela, mais ce passage dit que Yahweh n'est pas un homme parlant de son essence, de sa nature. Naturellement, on est tous d'accord, les Écritures nous enseignent que Yahweh, l'Éternel, n'est pas un homme d'essence, il est divin. Voilà pourquoi même Jésus dit que vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen.
Voilà, bienvenue à Taki Samuel. Toi qui arrives, bienvenue. Shalom à vous. Ok. Alright. Bon, mesdames et messieurs, j'aimerais vous donner un autre texte. Un autre texte. Allons-y dans le psaume 17. Le verset 13 à 15. Psaume 17, verset 13 à 15. Psaume 17. Le psaume 17, 13 à 15. Psaume 17, 13 à 15. Psaume chapitre 17. Psaume chapitre 17, 13 à 15. Psaume chapitre 17, 13 à 15. Psaume chapitre 17, verset 13 à 15. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre. Est-ce que vous voyez ça? Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie. Leur part est dans la vie. Attendez. Leur part est dans la vie. Et tu remplis leur ventre de tes biens, leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Donc, nous voyons David qui dit que le psaume, le psalmiste ici, qui nous dit que il verrait la face de Yahweh. Lui, il se rassasie de l'image. Donc, vous voyez comment, dans l'Ancien Testament, nous voyons comment Yahweh a choisi de se révéler, donner des images de lui, de se révéler sous des formes physiques à des personnes qui l'auraient choisi de le faire. Nous ne sommes même pas encore sur la forme humaine. Vous voyez un peu ça? Ça se comprend, mesdames et messieurs. Chers frères, chers étudiants des Écritures. Alors, prenons un peu un autre texte. Exode chapitre 24. Exode 24. Les versets 1 à 2 et le verset 9 jusqu'à 18. Exode. Le chapitre 24, mesdames et messieurs. Le verset 1 à 2. Dieu dit à Moïse. Vous savez, il y a certaines choses que quand quelqu'un dit une chose, c'est-à-dire que c'est toujours. Voilà pourquoi quand on touche à la Bible, il faut toujours vérifier. La Bible s'explique d'elle-même. La Bible est cohérente. Voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu. Elle est cohérente. Alors, l'Éternel, Yahweh et Elohim dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Monte vers l'Éternel, toi, Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha seul de l'Éternel, et les autres ne s'approchèrent pas, et le peuple ne montera point avec lui. Vous voyez un peu? Moïse se rapprocha d'où? De qui? Ça veut dire qu'il y avait un endroit clair qui représentait la présence de Yahvé, de l'Éternel, et qui était physique et visible de tout le monde. Vous voyez un peu ça? Et Yahvé choisit que celui-là qui va se rapprocher de lui, c'est qui? C'est Moïse. Regardez un peu le verset 9. À partir du verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? Ils virent. C'est très important, mesdames et messieurs. Ils virent. Bon, ce ne serait pas une forme humaine ici encore, mais c'est une forme d'une matière. Une forme, là, plus haut, dans l'ombre, nous avons vu que c'était la nuée. Mais ici, quand même, il y avait une représentation physique. Ils ont vu Yahvé. Est-ce que Yahvé peut se rendre visible s'il veut? Bien sûr.
s'il le veut. Est-ce qu'il peut se rendre visible? Bien sûr, s'il le veut. Alors, ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. Écoutez un peu ça. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Vous voyez un peu l'idée ici? On nous décrit les pieds de Yahweh. C'est formidable, mesdames et messieurs. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables et pierres, des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux enfants, aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Voilà. Verset 15. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuit. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Mesdames et messieurs, est-ce que vous comprenez un peu ça? On comprend que finalement, Yahweh, dans l'Ancien Testament, a effectivement choisi de se révéler à un certain nombre de personnes. Ici, nous avons la notion des pieds de Yahweh qui étaient visibles devant Aaron et Nadab. Voilà, c'était une image claire pour eux, visible pour eux. Est-ce que Yahweh peut prendre une forme physique pour se représenter, pour parler à son peuple? Bien sûr, c'est possible. Les Écritures nous parlent. Donc vous voyez que si, comment dire, Moïse dans l'ombre était en train de dire que Dieu ne peut jamais devenir prendre une forme humaine, Dieu ne va jamais devenir un homme, ça veut dire qu'il y a contradiction avec tout l'Ancien Testament, comme nous voyons, comme nous allons le voir. Amen. Vous comprenez quelque chose. J'en ai encore mieux à vous présenter, mesdames et messieurs. Nous avons, dans le livre de Genèse, comment Yahweh, cette fois-ci, vient rendre visite à Abraham sous forme physique avec 2 anges. Vous ne me croyez pas. Vous allez me croire tout à l'heure. Yahweh, je le répète, vient rendre visite à Abraham avec 2 anges qui l'accompagnaient. Et il en a même discuté, il a mangé, il s'est fait laver les pieds, Yahweh, sur une forme physique. Vous êtes étonnés. Genèse chapitre 18, on va lire une longue lecture, mesdames et messieurs. Ça sera une longue lecture, je vous promets. À partir du verset 1. L'Éternel lui apparut. Qui apparut à Abraham? C'est Abraham en fait, on parle d'Abraham. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Vous voyez un peu ça? 3 hommes. Et il dit, Seigneur,
Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas ce point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette arbre, sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Comprenez l'histoire, comprenez le récit. Nous sommes au verset 6 de Genèse chapitre 18. Abraham appela, alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Le verset 7. Et Abraham courut à son tour, à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Le verset 8. Et il prit encore de la crème et du lait avec le veau avec le veau qu'on avait apprêté. Et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Est-ce que les trois hommes ont mangé? Oui, les trois hommes ont mangé, effectivement. Ils mangèrent. Nous allons comprendre l'histoire. Le verset 9, comprenez, mesdames et messieurs. Alors, ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Qu'ils lui dirent, les trois hommes lui demandèrent, n'est-ce pas? Où est Sarah ta femme? Ils répondirent, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, écoutez ça, l'un d'entre eux, ce n'est pas les trois cette fois-ci qui parlent, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Sarah écoutait tout. Il y a un qui dit que quoi? L'année prochaine, je reviendrai. Moi, personnellement, je reviendrai. Ces trois hommes. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs, mon Seigneur, aussi avec mon Seigneur aussi est vieux. En parlant d'Abraham, Abraham aussi est vieux. Le verset 13. L'Éternel, écoutez ça. Eh bien, est-ce que vous comprenez très bien? Le verset 13 dit, l'Éternel dit à Abraham. Qui dit à Abraham? L'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, donc Yahweh, donc vous voyez un peu, parmi ces trois hommes, Yahweh était parmi ces trois hommes qui sont venus rendre visite à Abraham. Effectivement, on dit que quoi? Yahweh, l'Éternel, dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel, de Yahweh? Autant fixé, écoutez un peu ça, autant fixé, je reviendrai vers toi et à cette même époque, et Sarah aura un fils. Ou un peu, celui qui parlait à Abraham était naturellement Yahweh. Amen. Amen, 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 amen. Vous voyez que Yahweh vient ici sur terre, prend une forme humaine, apparaît à Abraham, prend une forme humaine, sans cesser d'être Dieu. Sans cesser. Dans la lecture du Nouveau Testament, on comprend que c'est Dieu le Fils qui est ici. Mais vous comprenez que Yahweh prend une forme humaine, rend visite à Abraham, mange même la nourriture qu'ils ont servie. On lave les pieds de Yahweh, qui avait une vraie forme humaine, sans que ce dernier cesse d'être Dieu. Vous voyez que Yahweh peut devenir un homme s'il le veut. Peut prendre une forme humaine s'il le veut. Mais alors un vrai homme. Amen. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent, écoutez ça, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Les hommes se sont levés pour partir.
pour aller à Sodome. Mais Allah, Abraham les accompagna, n'est-ce pas? Maintenant, regardez. Alors, puisqu'on sait qu'il y a déjà un qui est l'Éternel parmi eux, écoutez, on dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses enfants et à sa famille et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai, pardon. C'est pourquoi je vais descendre. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Qu'est-ce qui se passe? Regardez le verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de qui? De l'Éternel. Les hommes sont partis. Normalement, nous allons voir si c'est vraiment tous les trois hommes qui sont partis. Parce que là, nous voyons qu'il y a un personnage parmi les trois hommes qui est identifié comme étant Yahweh, qui fait la présence et qui parle comme Yahweh, et que le texte nous dit que c'est Yahweh. Mais ici, on nous dit que les trois, on ne dit pas que les trois sont partis, mais les hommes sont partis. Mais on dit que Abraham est resté en présence de Yahvé. Abraham était là avec Yahvé. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Écoutez un peu le dialogue qu'Abraham a. Puisque les hommes sont partis, ça veut dire qu'il y a quand même un nombre de personnes qui est parti. Abraham est resté avec Yahvé. Verset 24. Abraham continue. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr? Aussi, et ne pardonneras-tu pas la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle. Le verset 25. Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exerce-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve, vois un peu le dialogue qu'il y a entre Abraham et l'Éternel qui est resté. Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Verset 27. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Voici j'ai osé parler au Seigneur. Moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être que 50 justes en manquera-t-il. En manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Verset 29, Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Verset 30, Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Et je parlerai peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Verset 31. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 25, 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Verset 32. Abraham dit, que l'Éternel ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus que cette fois. S'y trouvera-t-il 10 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla. L'Éternel, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel s'en alla
lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Vous voyez un peu? Le contexte nous laisse comprendre parfaitement la chose. Vous voyez comment les hommes, deux hommes sont partis et ont laissé derrière Abraham avec Yahweh. Or, ils étaient d'abord venus à trois. Quand, à la fin du passage, on nous dit que lorsque Abraham a fini de parler avec Yahweh, lorsque Yahweh a fini de parler avec Abraham l'Éternel, il laissa Abraham et il partit. Amen. Dites-moi que vous comprenez quelque chose. Dites-moi que vous comprenez quelque chose. Alors, pour rendre encore la chose plus claire, pour prouver encore que effectivement les trois hommes ne sont pas partis, ce n'est que deux qui sont partis, c'est-à-dire les anges qui sont partis à Sodome. Le verset 1 à 5, lisons le verset 1 à 5 du chapitre 19 de Genèse. Le verset 1 à 5 du chapitre 19. Même au verset 3 même. On s'arrête au verset 3. Les deux anges arrivèrent. Écoutez un peu. On dit les hommes sont partis. Vous voyez un peu ça? La suite du passage nous dit que quoi? Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot se pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Vous voyez que parmi les hommes qui ont laissé, qui sont partis de Abraham, il n'y en avait que deux. Et ils sont identifiés ici comme étant les anges. Or, parmi ces trois hommes, il y avait un qui était Yahweh. Vous voyez comment Yahweh, l'Éternel dans ce testament, a la possibilité, avait l'habitude, a l'habitude, est apparu à Abraham en tant qu'homme, sans que ce dernier ne cesse d'être homme, d'être Dieu. Amen. Amen. J'aimerais encore vous lire un autre passage de Ézéchiel chapitre 1. Puisque nous sommes dans le Tanakh, dans la Bible hébraïque, voyons voir ce que la Bible hébraïque dit. Est-ce que Dieu ne peut pas être Dieu, un homme? Est-ce que Dieu ne peut pas être un homme s'il le veut? Depuis que nous avons commencé, nous avons vu que oui, Dieu peut être un homme s'il le veut. Et d'ailleurs, il est apparu en forme humaine, en vrai humain, dans l'Ancien Testament. Sorry. Ézéchiel. Jésus est fidèle. Le verset 1. Ézéchiel chapitre 1, le verset 26. Au-dessus du ciel. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure, quoi? Comme une figure placée, comme une figure d'homme. Comme une figure d'homme placée en haut. Et je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit et qui est dans la nuit en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de Dieu, de l'Éternel.
Et à cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Et de quelqu'un qui parlait. Il me dit, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te reparlerai. Vois un peu comment la vision que il a, que Ézéchiel a, il voit comment naturellement Dieu, Yahweh, prend une forme humaine, une forme d'un fils d'un homme, une forme humaine, pour pouvoir, voilà, se révéler à sa créature. Dites-moi que vous comprenez quelque chose. Amen. Je continue au chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 5. Il me dit, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi, eux et leur père ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qui t'écoute, qu'il t'écoute ou qu'il ne t'écoute pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Amen. Vous voyez que vous, quand vous voyez le contexte de ce passage, vous voyez comment il y a une image de Dieu que Ézéchiel voit et qui finit par lui adresser la parole. Est-ce que ça se comprend un peu? Voilà, ça doit se comprendre. Ça doit se comprendre. Genèse chapitre 22, 32. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Le verset 24 à 30. Vous allez voir comment ici on nous rapporte l'histoire de Jacob qui a pu, lui, lutter avec Dieu sous forme humaine, n'est-ce pas? Et jusqu'à remporter. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta. Qui a lutté avec lui? Un homme. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever du sol, de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, Laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, Je ne te laisserai point aller avec tes œuvres aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, Quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et il lui dit encore, Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. Car tu as fait comment? Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Vous voyez comment la Bible et les Écritures nous enseignent comment il y a des personnes qui ont vu Dieu, mais sous une forme humaine. Sous une forme humaine. Amen, 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 amen. Amen.
Amen, 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 amen. Dites-moi si vous comprenez quelque chose. Vous voyez que Nombre chapitre 23, verset 19, ne nous n'est pas une objection en tant que tel. Ne nous dit pas que voilà, Dieu ne peut pas. Non, non, ce n'est pas une objection. Oui, Dieu n'est pas un homme, mais Dieu peut devenir un homme. Amen, amen, amen. Amen. Dites-moi si vous comprenez quelque chose, mesdames et messieurs. Amen. J'aimerais encore vous présenter quelque chose. Dans le livre de Daniel, la Bible nous montre comment le personnage fils de l'homme qui a vraiment une forme humaine est pleinement Dieu. Et donc Dieu aurait pris une forme humaine. Dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, lisons juste verset 9 à 10. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes. L'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme le trône de flammes, de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1 000 milliers de serviteurs. 1 000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les mirent et les livres furent ouverts. Vous voyez un peu? Comment? On nous montre comment l'ancien des jours qui représente qui est Dieu naturellement. L'ancien des jours aurait un siège, aurait un trône, n'est-ce pas? Ça c'est l'information que nous avons ici. Alors, lisons le verset 13. Regardez, donc nous avons l'ancien des jours qui est Dieu, qui a un trône et qui a des personnes qui le servent, environ 1 000 millions de personnes, 1 000 milliers de personnes. Verset 13 à 14. Je suis ici. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur la nuée des cieux arriva. Donc, voici sur la nuée des cieux. Regardez, voyez un peu ça. Sur la nuée des cieux arriva. Voyez un peu comment le Fils de l'homme, le personnage, vient dans la nuit. Sur la nuée des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Donc quelqu'un semblable à un fils de l'homme, quelqu'un un fils de l'homme, c'est-à-dire quelqu'un semblable à un être humain, il s'avança vers l'ancien des jours, il s'avança vers l'ancien des jours qui est considéré comme étant Dieu ici, qui est Dieu, et l'on le fit approcher de lui. On lui donna la domination. On lui donna quoi? La domination, la gloire et le règne. Quoi? À qui? À cet homme, oui. Mais comment la domination, il domine? La gloire, le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servaient. Donc, au même titre, au même niveau qu'il sert, au même degré qu'on sert, Pelak, hein, en hébreu Pelak, ça dit qu'au même degré qu'on sert l'ancien des jours, c'est au même degré qu'on sert également ce monsieur. Sa domination est une domination, est une domination quoi? Éternelle. C'est-à-dire que son règne, son pouvoir, c'est un pouvoir éternel. Ce n'est pas pour 10 ans. Éternel. Et tous les peuples et nations le servaient, l'adoraient. Pelark veut dire servir, vénérer, adorer. Et donc on le servait ici. Cet homme-là, cet homme-là, cet homme Dieu-là.
qui ne passerait voilà, qui ne passerait point et son règne ne serait point détruit. Vous voyez un peu comment ce fils de l'homme a les mêmes caractéristiques. Déjà, il quitte du ciel au travers des nuées. Et maintenant, des peuples, toutes les nations et les peuples, toutes les nations et les peuples l'adoraient. Et il a un trône. Vous voyez ça comment? Au même titre que, quoi? Au même titre, au même niveau que, voilà, que l'ancien des jours. Il est adoré comme l'ancien des jours. Regardez le verset 27. Verset 27. Le règne, l'adoration, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du peuple, du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominations, les dominateurs, pardon, tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Vous voyez un peu ça? On obéira à qui? Au fils de l'homme. Vous voyez comment? Toutes les nations et tous les peuples l'adoreront, l'obéiront. Donc, l'adoration qui lui est due est pratiquement le même degré d'adoration et de vénération que l'ancien des jours reçoit ici. Dans Daniel chapitre 3, regardez un peu. Daniel chapitre 3, comment, regardez comment on adore l'ancien des jours. Daniel chapitre 3, verset 16. Chapitre 3, verset 16. Verset 16. Regardez le terme adoration. Ou encore servi. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Vois un peu? Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as rêvé, à élever. Le même thème, le même degré d'adoration. Donc nous n'allons pas servir, nous n'allons pas vénérer votre Dieu, mais c'est notre Dieu que nous allons vénérer. Daniel 6, le verset 16. Daniel 6. Le verset 16. Alors le roi donna ordre, l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit, oh à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers, avec persévérance te délivrer. Et verset 20 à 22. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer avec des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Amen. Vous voyez comment ici l'ancien des jours est adoré, Yahweh est adoré, mais en fait au même titre aussi que le fils de l'homme est adoré et vénéré et servi. Ça se comprend, mesdames et messieurs. Et en fait, de la même manière que nous voyons comment le fils de l'homme emprunte même la nuée, emprunte la nuée pour venir sur terre, on nous dit également que Yahweh emprunte aussi la nuée, voilà, pour venir sur terre. Regardez, le psaume 104, j'espère que ce passage sera bon. Le psaume 104. Le psaume, le chapitre 104. Le psaume 104. Le psaume 104, le verset 3.
Il forme avec les eaux et les frettes, voilà. Il forme avec. Lisons la partie verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de nuées, de lumière, comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Vous voyez comment notre Dieu, notre Yahweh, utilise les nuages, les nuées, pour descendre comme des chars, nous disent le texte. Mais comme, en plus, Esaïe encore nous dit quelque chose de semblable. Merci Saint-Esprit. Esaïe, chapitre 19, avec verset 1. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur réchapper vers les nations à Tarsis, et Poul et à Lout, qui tirent de l'art, à Tubal et à Javan, qui jamais m'ont parlé de moi, qui jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire. Voilà. Je n'ai pas trouvé le bon texte ou quoi. Ok, voilà. Ésaïe chapitre 19, sorry. Le verset 1. Oracle sur l'Égypte. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe de défaillance. Vous voyez un peu? Yahweh descend des cieux par les nuées, avec les nuées, sur les nuées comme moyen locomotive, disons-le comme ça. Donc, un moyen physique, de la même manière, le fils de l'homme, qui est Yahweh, fait la même chose. Vous voyez comment Yahweh prend une forme humaine sans cesser d'être Yahweh, sans cesser d'être Dieu. Cette représentation est une représentation assez claire et unique du Coran. C'est-à-dire que le Coran dit que ce genre, celui qui descend des cieux là, ce n'est que Allah, ce n'est que Dieu. Vous voyez comment cela encore prouve que le Coran nous prouve effectivement indirectement que Jésus-Christ est Dieu. Parce que effectivement, le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui descend des cieux par les nuits. C'est lui qui est Yahweh en même temps. Cela trouve son sens, n'est-ce pas? Alors. Prenons, je veux dire, dans le Coran, juste en passant, au Coran, le chapitre 2, le Coran, le chapitre 2, verset 210. Le Coran, le chapitre 2, verset 210. Ok. 210. Je vais un peu lire, juste pour passer. Hein. On ne va pas faire escale sur ça. Voilà. Je partage mon écran avec vous. Alors, regardez mon écran. C'est vrai que ça va si, mais anyhow. Le Coran, chapitre 2, le verset 210. Si vous avez la page, s'il vous plaît, partagez ça, mettez en commentaire. Si vous pouvez mettre en commentaire, mettez pour que les autres voient. Parce que ici, chez moi, là, ça va si trop.
Qu'entendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges, et que leur sort soit réglé? Et c'est à Allah que toute chose est ramenée. Allah vient quoi? À l'ombre de quoi? Des nuées. C'était ça que je voulais vous montrer. Comment même le Coran reconnaît que ça, c'est propre à Dieu. N'est-ce pas? De venir en utilisant, voilà, les nuées, englobées des nuées. Donc, et nous voyons comment, effectivement, cela, on montre comment le Fils de l'homme, n'est-ce pas, fait exactement ça. Donc, le Fils de l'homme qui est Yahweh, fait exactement les choses que Yahweh seul sait faire. Donc, vous voyez comment Yahweh a pris une forme humaine au travers de son Fils, sans que cela ne dérange. Et en plus de cela, l'Ancien Testament prophétise même que le Messie, le Messie, hein, nous voyons un peu ça, la Bible hébraïque nous montre que le Messie qui est pleinement Dieu, n'est-ce pas, viendra sous forme humaine. Vous le savez très bien. Je vais lire un peu ça. Dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5 à 7. 5 à 7, ou, voilà, Ésaïe chapitre 9. Regardez, on appelle le Fils, le Messie qui va naître, on va l'appeler Fils Père éternel. Car, voilà, disons ici. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Dieu puissant, Père éternel, donc géniteur de l'éternité. Donc, Père, Dieu puissant. Donc, on l'appellera comment? Dieu puissant. Donc, c'est Dieu puissant, lui-là, le Messie qui va venir. Donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermissement et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Vous voyez ça? Vous comprenez comment le Fils qui va naître, le Machia qui va naître, est Dieu éternel. Il sera de la descendance de David sur le plan, naturellement sur le plan humain. Ça se comprend un peu? Amen, 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 amen. Ça se comprend? Parfait. Alors, regardez, David et Esaïe appellent expressément le Machia qui va naître. Il appelle expressément le Messie qui va naître. Il appelle expressément le Messie qui va naître, comment dire, Dieu puissant. Amen. Donc regardez, Dieu va naître et va prendre une forme humaine. Regardez, Nombre chapitre 23, le verset 19, est en train de dire que voilà, Dieu ne peut pas prendre une forme humaine. Avait dit qu'on aura vraiment des sérieux problèmes dans tous ces textes du Tanakh ou de l'Ancien Testament que nous sommes en train de lire. Parce que David, comment dire, Esaïe appelle expressément le Dieu qui va naître, le Messie, le Messie qui va naître, Dieu puissant. Donc c'est Dieu, effectivement, qui va prendre une forme humaine. Qui va prendre une forme humaine. Vous le savez, c'est dans les objectifs de la rédemption. Mais en fait, dans... Le truc, c'est que quand vous voyez dans, comment on dit ça, dans juste un chapitre après, vous allez voir que cette appellation de Dieu puissant, David le retranscrit clairement à Yahweh aussi. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen, 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 amen. Regardez, je vais un peu lire. Nous sommes dans Ésaïe, le chapitre 20. Ésaïe chapitre 10, verset 20. 20 à 21. En ce jour-là, le reste d'Israël et les rescapés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob. Le reste de Jacob reviendra au Dieu puissant. El Gibor, le Dieu puissant. Vous voyez un peu, Dieu puissant, juste un chapitre après, un chapitre avant, l'appellation de Dieu puissant est dirigée vers le Mashiach, le Messie, qui est censé venir
et prendre une forme humaine sur la lignée de David. Dites-moi que vous comprenez quelque chose. Dites-moi que vous comprenez quelque chose. Amen, 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 amen. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo de quelques temps vous donne de comprendre, vous fait comprendre, ou encore vous comprenez finalement pourquoi est-ce que nous avons, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, des passages comme Nombre chapitre 23 où on dit Dieu n'est pas un homme. Naturellement, Dieu n'est pas un homme, mais Dieu peut devenir un homme s'il le veut. Dieu peut prendre une forme humaine s'il le veut. En tout cas, c'est ce que nous avons vu à partir de l'Ancien Testament. Et bien sûr, si même Dieu prend une forme humaine, il ne sera pas comme ce type d'être humain que nous sommes, avec la nature pécheresse. Naturellement, nous avons vu cela en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus-Christ avait une forme humaine, mais à la différence, c'est qu'il n'était pas pécheur. Plusieurs textes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament nous montrent cela. Alors, est-ce qu'il y a de questions? S'il y a de questions, j'écoute les questions, mais s'il n'y a pas de questions, alors, ce qui va me rester à vous dire, c'est, vous savez, mesdames et messieurs, partagez la vidéo. Partagez la vidéo et que les anti-trinitériens, ceux-là qui ne croient pas à la Trinité, soient convaincus finalement. Et le Skype est ouvert si quelqu'un veut appeler pour réfuter Modibo. C'est ouvert. Nous vous écoutons. Nous avons prouvé à partir de l'Ancien Testament comment effectivement Dieu, Yahweh, peut prendre une forme humaine, peut même prendre une forme physique. D'ailleurs, il l'a fait. Nous avons cité quelques endroits. Et là, nous avons donc mis cela dans un contexte où les textes de Nombre chapitre 23, verset 19, et 1 Samuel chapitre 15, le verset 29, et Osée chapitre 11, le verset 1 à 9, qui disent que Yahweh n'est pas un homme. Ces passages ne voudraient pas dire que Yahweh ne peut pas être un homme ou encore ne va pas devenir un homme s'il le veut. Ces passages simplement parlent de l'essence de Dieu. Bien sûr, Dieu n'est pas un homme, il a une essence divine. Voilà, ça c'est l'un des passages, l'une des compréhensions que nous aurons, que vous compreniez. Voilà, j'espère que les critiques de la foi chrétienne ont une réponse, les musulmans, vous avez une réponse, et les chrétiens surtout, vous qui aviez une préoccupation par rapport à de tels passages, vous avez finalement une réponse. Que le Dieu trinitaire vous bénisse, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent et vous gardent en lui-même, n'est-ce pas, d'ici jusqu'à demain. Disons-le, à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse, partagez au maximum. Dès que la vidéo finit, s'il vous plaît, enregistrez et téléchargez la vidéo. On ne sait jamais, la vidéo peut être bloquée. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, aleikum. Shalom, 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 shalom.